Namaste. I hope everybody's doing fine in confinement. We're on our patio. I'm on my patio here. The sky is blue. The trees are green. So this is all very positive. But I do miss the studio and I miss the contact with all of you. So I hope that I'm going to be able to come to Paris soon and see you all in person. The teachers and the students and my friends and just Paris. Love you. Bye. Namaste. Avec cette histoire de coronavirus, ce virus a vraiment mis nos vies sans dessus dessous, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Pour nous, pour l'instant, ça va. Tout le monde est en bonne santé. Et j'espère que bientôt, nos vies vont reprendre leur cours normal. C'est-à-dire qu'on va revenir en position, la tête à l'endroit. Merci, à bientôt. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien pendant ce temps étrange. La situation est difficile pour tout le monde, mais je pense aussi qu'on la vit tous de manière différente. Le confinement, c'est déjà une pratique en tant que telle. C'est vraiment à chacun d'essayer de faire de ce temps le mieux qu'il peut. Si vous faites un peu de yoga, je suis sûre que ça vous aide. Je voudrais partager avec vous une citation qu'une amie m'a envoyée parce que je la trouve très juste en ce moment. Chaque fois que tu es seul, rappelle-toi que c'est l'Éternel qui a envoyé tout le monde loin pour qu'il n'y ait plus que toi et lui. J'espère vous revoir bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut les amis, comment ça va? J'essaie de trouver la façon de me filmer et vous envoyer un petit coucou. Mais là où je me retrouve en confinement, plutôt privilégié parce qu'on a un jardin ici. J'espère que vous allez tous bien, vos familles aussi. J'espère que vous pouvez profiter de ces moments de pause pour lire, réfléchir, vous reposer et pratiquer. Je pense beaucoup à vous. J'espère de vous retrouver très bientôt. Et si jamais vous avez l'opportunité de m'envoyer une petite photo, un petit coucou via le studio et vos prénoms, j'ai décidé qu'au retour, je veux me rappeler de tous vos prénoms. Pas seulement de vos tibias, vos omoplates et vos chevilles. Et parce que vous êtes important pour moi. Hâte de vous retrouver. Namaste, ciao. Bonjour, c'est Jeanne. Je sors de ma pratique de yoga. J'espère que vous aussi, vous continuez à pratiquer le yoga chez vous, seul, peut-être en famille aussi, soutenu par des professeurs ou des vidéos en ligne. J'espère vous retrouver pendant mes cours, bientôt lorsque cette période sera terminée. D'ici là, prenez soin de vous, restez en forme, gardez le moral et à bientôt. Salut! Bonjour à tous les yogis, juste une petite vidéo pour vous dire que toute l'équipe du studio pense fort à vous. Vous nous manquez, on a vraiment hâte de vous voir de nouveau, de pratiquer ensemble. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de pouvoir faire cette petite vidéo. Déjà pour vous dire combien vous manquez, combien je pense à vous. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. J'espère aussi que vous allez trouver un moyen de traverser cette période le plus sereinement possible. Peut-être, et j'en doute pas, grâce au yoga et tous les outils qu'il nous apporte, on a la chance d'avoir ça. Et j'ai une pensée particulière pour ceux parmi vous qui travaillaient pour nous, les confinés. Je sais qu'il y a des soignants parmi vous et je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour ce que vous faites. Je sais que cette gratitude est partagée et je souhaite vraiment du fond du cœur qu'elle perdure bien au-delà de cette crise. Et puis, même si j'ai vraiment hâte de vous retrouver le plus rapidement possible sur les tapis, ben pour l'instant, on reste confiné, on reste chez soi et je vous souhaite beaucoup de courage pour ça. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Namasté. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alic. Je vous envoie un petit message de chez moi à la fin de la troisième semaine du confinement. Ça commence à être un peu long, vous voyez sur mes cheveux, ça commence à pousser aussi. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Et j'espère que vous avez pu prendre le temps pour votre pratique et pour prendre soin de vos proches, de votre famille aussi. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage
et à très bientôt sur le tapis. Bonjour tout le monde. Un petit coucou de Paris, là où, comme vous, on est tous confinés. J'espère que vous allez bien, vous prenez soin des vôtres. Que vous pratiquez un petit peu de yoga si vous avez du temps et de l'espace surtout. Et j'espère à très vite. Je commence à en avoir marre de faire des vidéos et de plus voir d'élèves en vrai. C'est un petit peu long. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, bon courage à vous. Des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Juste un petit message pour vous dire bonjour. Moi ça va, j'ai la forme, le moral, tout va bien. Voilà, j'espère vous retrouver à la sortie. Et puis je vous envoie plein de pensées positives et de bonnes vibes. Prenez bien soin de vous. Salut everyone. I hope you're well, that you have been healthy and finding whatever ways you need to do to get through this confinement, that you're not struggling too much. And I'm looking forward to seeing you all again at the studio and practicing together as soon as we can go outside again. So in the meantime, take care and I hope to see you soon. Salut tout le monde, c'est pas évident de trouver de la place ici, c'est une forêt hyper dense, je viens de trouver du réseau. Je suis dans une forêt tropicale ici, il y a beaucoup de bruit d'animaux, c'est chaud, il fait lourd. C'est un peu l'aventure, hein, je dois vous dire. Hein, c'est pas comme ça que j'ai envisagé le confinement, mais c'est vraiment une belle expérience. J'entendais, c'est des gibbons. Je me suis rapproché d'une colonie de gibbons. Et là, on entend le mâle dominant. Enfin bon. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que là j'ai plus beaucoup de batterie et en fait bah non hein, je suis à Paris. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous, que le confinement se passe bien, que vous avez un peu de créativité et je vous dis à bientôt. Salut. Bonjour à tous. Un petit mot rapide pour vous dire qu'on pense à vous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce moment de confinement pour ralentir, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos proches. J'espère aussi que vous avez l'énergie de pratiquer, que le yoga est une aide en ce moment pour vous et que vous profitez de ce moment pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire hors confinement, que ce soit du yoga ou autre chose. En attendant, prenez soin de vous. J'espère qu'on vous retrouvera vite en cours. Et à bientôt. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis au milieu de la France, voilà, avec mon fils. Et je vous souhaite à tous, un bon confinement. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais essayons d'être patients. Et j'ai vraiment hâte de tous vous retrouver au studio. À bientôt. Tu dis à bientôt, toi ? À bientôt. À bientôt. Hi yogis, sending you some love from Thailand. I hope you're all surviving well with the lockdown. Sorry. See you soon, happy practicing. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous arrivez à prendre soin de vous, à pratiquer un peu pendant le confinement. En tout cas, vous nous manquez beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver en vrai. Et en attendant, je vous propose un petit flow de vinyasa à pratiquer quand vous avez envie.